parti. Le vélo depuis très longtemps, ça a été un moyen d'émancipation pour les femmes. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être un outil de déplacement, un outil de voyage, de rencontre. Moi j'ai rencontré beaucoup de chouettes personnes grâce au vélo. Le sport est déjà vachement dominé par les hommes et du coup là c'est un moment pour se retrouver entre nous et prendre confiance. Petite bière alors? Ouais. Ouais. Bière et frites. Même deux frites, sur deux. C'est juste là du coup. Allez, chin chin. Sortez au gauche. Il y a un groupe à Paris qui s'appelle Girls on Wheels, les Go. Et on s'est pas mal inspiré de ce groupe. Allez, c'est marrant, on crée le groupe Lillois. Qu'est-ce qu'il y a à Lille? Bah, c'est les Welsh, c'est les... et tout. Et du coup, on avait juste ajouté le petite touche lilloise à la fin. Et c'est venu comme ça. Enfin, on se prend pas trop au sérieux. C'est pour rigoler. Les personnes que j'ai rencontrées, là, ces deux sorties-là, bah, c'est des personnes hyper éclectiques qui viennent de parcours super différents. Et c'est ça qui est super riche aussi, vu que le cadre est posé, que c'est entre femmes et que c'est bon enfant. On se dit voilà, on part léger et puis et on se pose pas de questions. Et puis on discute pendant la sortie, il n'y a pas de pression. C'est vraiment une balade en fait qu'on fait ensemble. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi en hiver, donc des moments où on n'aurait pas envie de sortir, ou parfois on se dirait bon voilà, il fait pas beau, il fait froid. Ça met un petit coup de boost en disant ok, il y a d'autres gens qui viennent, donc on va pas les laisser tout seuls, on vient tous ensemble. Ça c'est sympa. On a notre place, on montre qu'on est là, on peut réunir toutes les femmes qui ont envie de partager le vélo de toute manière ensemble. Voilà.